Je vous montre la chance, je suis obligé. Alors en fait, si vous voulez, c'est JN Tussali, il avait l'autre Casio. Il avait l'autre Yasuo. Et en fait, notre last pick, il a ban Yasuo. Et du coup, il a écrit You fucking cancer retard. L'autre, il a écrit Sorry mate, sorry. Il dit Go get cancer and fuck your sorry, you stupid fuck. C'est la première game de la journée. On est d'une excellente humeur. Et ça a lâché le premier get cancer. On est. Oh, mais pourquoi je parle avec toi, putain? Pourquoi je parle avec toi? Mais c'est impossible, là, c'est impossible. Dimitri Nique ta mère, Numérica, nique ta mère, Alikir. Allez tous vous faire enculer. Ça m'énerve. Ok, bah non, c'est trop tard. Non, je pense qu'on peut pas. On peut pas remake parce que c'est 1 minute 30, putain de merde. What the fuck. La game. Et l'autre il se fait FB parce qu'il a pas son Yasuo vu que c'est un putain d'OTP. MDR. J'en ai ras le cul de ce jeu. Pourquoi j'y joue? C'est pas marrant. Oh, oh le saut suffit hein. En fait il va le perdre dans 2 secondes son truc là. Je crois que si on m'a dit c'était ça qui se passait. Quoi? Mais non, mais ça devait s'enlever! Quoi? Mais c'était 4 secondes, on m'avait dit! Mais ça dure beaucoup plus que 4 secondes! Mais ça dure beaucoup plus que 4 secondes! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais on m'avait dit que c'était. Putain, mais j'ai trop le seum! Mais putain, mais il fait des dons, il me fait de la merde, mon gars! Zbub! J'espère qu'il est tout douce. Genre, ok, Zach s'est barré. Devant ici. Quoi? Mais what the fuck, putain! Le mec il a son temps stun, mais putain de merde là! C'est incroyable! You are so bad, mais nique ta grosse. Le ski, je trouve ça très très pédé. En fait, si t'es un skieur, t'es un pédé. T'es un skieur, t'es un pédé, c'est tout. C'est non! Je sais pas quoi jouer du coup. Je vais jouer Cassio. Je vais peut-être jouer Talia, remarque. Après cet entraînement intensif. Par contre, j'avais une page de runes avec. Ouais, j'avais pas la bonne page de ruine. Par contre, ça, on me dit que t'es potentiellement contre quelqu'un qui s'appelle Julia Gameuse. Quoi? Oh, j'arrête. Excuse. Allez, je me casse. Sardosh XD, t'es un PD. What the fuck? Je suis contre Julia Gameuse. A tout dit, gado. Après, si vous faites du Snowblade, vous êtes pas PD. Snowblade, c'est pas PD. Non, j'ai pas d'ulti. Non, j'ai cru que j'avais l'ulti, je voulais l'ulti flash, j'avais pas. J'ai dessus quand même, j'en veux ça. Ok. Putain de merde. Je voulais air flash. Je voulais air flash, j'avais pas d'ulti. J'ai air flash, mais du coup, il y avait pas le air qui est parti. Mais sinon, la Lulu, je l'avais timé parfaitement sur mon ulti, putain. Parfait. Pour que j'ai la malchance de pouvoir sortir une des équipes favorites de la Ligue des Champions. Voilà. Donc je suis là, je regarde l'action. On est à la 94e minute et 50 secondes. Le coup de sifflet va être sifflé. Il y a un petit coup franc qui est tiré. Une belle tête pour sortir la balle. Et là, mon équipe préférée se prend un but. Je mets en personnage. Non. C'est ça. Oui. Snowblade, c'est pas pédé du tout. Zbub, j'ai le talent de détecter l'aura qui émane des personnes. Et je peux savoir instantanément s'ils ont des bonnes ou des mauvaises intentions vis-à-vis de moi. Et en fait, du coup, je suis capable de mettre des permas, mais complètement injustifiés. Mais c'est justifié par mon âme, en fait. Par la force de mon âme et de votre aura. Ah oui, on est sur une modération très feng shui. Hein. Mais bon, je me sens un peu fiotte quand même. Je sens que petit à petit, je me mets à vraiment aimer la bite. Oh. Mais en fait, au final, on se rend compte que les games se jouent les 2 premières minutes de lane, vraiment. Et si je suis AFK ou que je me concentre pas sur le warding très très tôt dans la game, à 2 minutes 30, hein, c'est vraiment le timing. Pendant une wave hein, d'ailleurs, donc c'est très compliqué de gérer les deux en même temps. Putain, je vais vraiment mourir là. Je vais vraiment mourir. Je suis encore un peu tilté du coup, c'est un peu triste. Je vais vraiment mourir. Il me manquait quoi? Il me manquait 10 de mana pour la tuer, je voulais mettre le dernier E. J'aime vraiment la bite actuellement là, je... Je sais pas, j'ai envie d'une bite. Je saurais pas vous expliquer. Je suis une Formule 1. J'hallucine, hein, vraiment. Vraiment, j'hallucine, vraiment. J'en ai vraiment ras le cul. Honnêtement, ça me fait chier. Genre,
Genre, vraiment, ça me fait chier. Je flash, il me manque un de mana. Genre, zbub. Mais plus le temps passe, plus je fais ma game, plus j'ai envie d'une bite. Je sais pas. Ça doit être un bug. Ça tombe, hein. Ça se tue, ça. J'aurais bien aimé qu'ils prennent l'aggro. J'aurais bien aimé qu'ils prennent l'aggro, mais juste qu'ils prennent l'aggro. Oh là là, la nullité! Mais c'est pas possible! Et pourquoi il a été slow et pas stun? Il a été slow par mon ulti alors qu'il était en face de moi, il a dash in vers moi, il a été slow mais pas stun, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain! Ah quel, non mais regardez l'autre shot! Il est à ma droite, je suis à gauche, il dash in vers moi, il regarde vers moi en dashant, et putain, le mec il est pas stun. Quoi? Attends, je vais me faire report pour pornographie si je continue de montrer les images. Vu que, bon, évidemment, on n'est pas là pour montrer du jeu vidéo, bien sûr. Hein. Mais quelle grosse pute! Oh! Mais c'est possible d'être autant une pute ou pas sur Terre? En plus, vous savez qu'elle est majeure, donc j'ai le droit de l'insulter de pute, c'est pas du harcèlement mineur, je sais pas quoi. Ce qu'on peut me trouver comme merde. Ah non, mais c'est vraiment une pute, le mot pute, pute, salope, grosse pute. Alors. A tout dit, gado! J'ai mal à ce que t'es active ou en même temps, c'est. Intellectuellement, ça demande des compétences, genre. Genre, à activer le Q en même temps que tu dois timer ton auto-attaque. De la sitting, les deux. Comme ça. C'est vraiment ça, c'est. C'est un cerveau en éruption, tu vois, c'est waouh. C'est lent. Je peux mourir d'une boulette. Hein. C'est quand même raisonnable sur ça. En vrai, on peut le tuer, hein. Oh non! Zbub. Là, c'est la solo Q en diamant. Bon, S7, on va dire, du coup. Là, il y a le fraise. Là, il y a le jus innocent. On va pas se mentir, c'est de la grosse merde. En plus, ils ont pas voulu d'un partenaire avec moi. J'aurais pu presque hein, dire du bien de cette marque de fils de pute. Mais je le fais pas. Enfin, je le fais. Enfin, du coup, oui. Voilà. Et puis là, vous avez l'eau de coco. Voilà. Là, c'est si vous êtes sub à ma chaîne. Et puis enfin, vous avez évidemment fait le célèbre jus. Croûte d'ananas, betterave bien sûr, qui est au top niveau en termes de bien-être et de non-cancer. Voilà, puis là vous avez Webedia, bon j'arrête. Zbub. Désolé Pouné, c'est une tradition, je rate vous un an. Voilà. Bah, il a un stand backup. Quoi? Il s'est passé? Mais c'est sérieux ça ou pas? Vous avez vu? Il m'a mis mais un combo complet. Mais j'y crois pas, mais j'ai pris un combo complet sous stun. Il a fait coup de marteau, petite auto-attaque, un petit. Mais what the fuck? Il m'a lancé genre 10 heures alors qu'il était stun depuis une seconde. Le perso est tellement débile que tous les combos sont automatiques. Sardosh, 5 de 5, sans cesse d'avance sur son opposant. Je pense qu'il est un peu en dessous sur cette game. Sardosh qui met un magnifique poison, Sardosh qui tue Olaf, c'est incroyable, Sardosh le meilleur joueur de l'univers, plus fort que Sardosh qui fait les deux kills, Sardosh le meilleur joueur de l'univers, on kiffe, putain il est bon. Alors on ne fait qu'un côté, c'est rien, c'est une merde, putain il a tout appris. Et l'inhibiteur récupéré par Sardosh. Oh Sardosh, c'est ça qu'il a fait en ta place en la française, mais qui peut le surpasser? Mais personne, mais regardez il a un red buff, mais Sardosh. Il détruit les tours de l'éclair. Tout seul. Oh Sardosh a mis une flaque par terre, mais quel bon joueur. Oh Sardosh a tapé le Nexus. Sardosh le dieu vivant. Oh oui, il va casser le Nexus. Oh Sardosh ulti là-bas. Oh Sardosh a gagné la game, c'est vraiment le meilleur joueur. C'est repos là ou quoi? Bah je sais pas, là, moi personnellement j'ai l'écran... Ah c'est bon. Ah ça y est. Ah ça y est, ça commence les gars. Ça commence en sus, je vous préviens. Vous aurez jamais l'histoire de ma deuxième carte. Regardez-moi ça. Regardez ce déplacement de Sardosh, incroyable. Putain, attends. Cette manière de se déplacer sur la map. On se focus dessus. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-le. J'ai la chef qui est lancée, ça commence à tone. C'est invade en face, A5. A2. Sur Sardosh. Oh là là. Attention, Sardosh est déjà mort, tu recules. C'est ça en fait, Sabatard, en fait. Vu qu'il est à côté de lui, il est allé sur sa chaise, il a pris le compte de Marek, et il a fait le kill. C'est ça. Alors, je te dis, il a dit. Mais ça se trouve, tous les kills qu'on a vus de la game, c'est Sardosh qui s'est déplacé instantanément. Mais bien sûr. Pour faire les kills. Mais oui. Vu que c'est le meilleur joueur de l'univers. En fait, vous voyez pas leur positionnement, c'est Sardosh au milieu et les 4 autour, et comme ça, il peut switch de clavier quand il veut. Il a laissé une chance à Mew de faire ses preuves, il a fait 0-1, quoi. Enfin, j'ai envie de.
I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. Yeah.